contact, c'est aussi aussi et surtout une œuvre collective. On a donc tous travaillé dessus. Il y a eu un temps de recherche assez long. On a écrit un scénario qu'on n'a ensuite pas respecté. Et c'est à la fois nourri de tout ce que j'ai aimé quand j'ai découvert la danse enfant. Fred Astaire, West Side Story, Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Il y a tout ça dedans et d'autres films. Eisenstein, vous me parliez de ça tout à l'heure. Il y a aussi ce côté très graphique, très, très fort, noir et blanc. Et puis c'est une œuvre collective parce qu'on a travaillé tous ensemble et que j'ai utilisé les savoirs et les talents de chacun au maximum. J'absorbe le talent des gens qui travaillent pour moi comme une sangsue et j'essaye de le remontrer, d'en faire quelque chose qui va être riche et fort sur le plateau qu'on va pouvoir partager avec le public. Il y a cette notion de plaisir qui est très importante. Il s'agit de prendre et de donner du plaisir. Voilà.